Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie-Lou de la Bitume et je suis ravie du coup de vous retrouver aujourd'hui en direct. Je vais vous laisser arriver, voilà, petit à petit. Je suis vraiment ravie du coup de pouvoir commencer ce live avec vous ce midi. Pour certaines et pour certains, je pense que vous savez de quoi on va parler puisque on a annoncé sur les réseaux il y a quelques jours la thématique du live du coup de ce midi. Je vois que vous êtes tous arrivés au compte-gouttes. Donc bonjour à tous. Je suis ultra excitée de faire ce live ce midi. On va du coup pouvoir partager l'écran parce que voilà, on va faire ça en écran partagé avec une marque que vous appréciez énormément et que j'apprécie moi aussi tout particulièrement. Donc je suis vraiment trop contente. C'est une personne avec qui j'ai déjà fait un live auparavant, il y a un petit moment maintenant. Donc je suis très contente qu'on puisse se retrouver à nouveau une deuxième fois. Je vais tout de suite sa demande. Bonjour à tout le monde en attendant. J'espère que vous allez bien. Hello Eva. Bonjour. Attends, alors j'entends pas. Mets ton son en fait. Alors moi je vous entends, on est en écran partagé du coup avec une marque que vous reconnaissez peut-être et surtout avec la fondatrice qui s'appelle Saveria. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon? Bonjour. Bonjour Saveria. Bonjour Marilou. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Comme je le disais tout à l'heure, du coup, on a déjà fait un live ensemble il y a un petit moment maintenant. J'étais venue dans vos bureaux il y a plusieurs mois, voire années. Je crois que c'était il y a presque un an et demi de mémoire. Donc, je suis ravie qu'on puisse se retrouver de nouveau ensemble en live toutes les deux, même si cette fois, du coup, c'est en écran partagé. Mais on va pouvoir, du coup, parler de la marque Garantia. On sait que cette marque Garantia, elle est très, très appréciée de nos abonnés. Donc, je suis très contente qu'on puisse voilà, échanger sur toute la création de votre marque, puisque c'est vous, Saveria, qui avez créé la marque il y a quelques années maintenant. Et puis, on pourra aussi, du coup, rentrer plus dans le détail sur certains produits, puisque l'idée, c'est aussi d'aborder une thématique qui, voilà, qui est une thématique hyper actuelle, puisqu'on va parler de certains produits qui nous aident à préparer sa peau à l'été. Alors, on sait, vous allez me dire, voilà, en ce moment, il ne fait pas très beau, et ça, on le sait, en tout cas à Paris, je crois, dans la majorité des endroits en France, mais on espère que le soleil va vite arriver, et je crois que d'ici quelques jours, d'ici la semaine prochaine, en tout cas à Paris, ce sera les premiers beaux jours. Donc, on va vous donner quelques petits conseils pour voilà, préparer votre peau, et du coup, on rentrera dans le détail sur la routine Garantia. Merci Marilou, c'est parfait pour moi. Est-ce que Saveria, on commencerait peut-être par une présentation de votre part? Je pense qu'il y a beaucoup, Oui. beaucoup de personnes qui vous connaissent, puisque voilà, c'est pas la première fois qu'on fait un live ensemble, mais pour éventuellement les personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous et la marque Garantia, est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous dire qui vous êtes et présenter la marque? Oui, merci Marilou. Ben, évidemment, j'en ai souvent parlé. Il y en a beaucoup qui connaissent. Je suis pharmacien, je suis la quatrième génération de pharmacienne et pharmacien. Et j'ai créé le laboratoire Garantia maintenant il y a en 2004. Donc ça fait 17 ans, ça passe. Et Garantia, ben, c'est une marque française et engagée, puisque depuis le démarrage de la marque, j'ai toujours eu une vision très globale, de façon à avoir cinq piliers qui sont le côté clean, le côté éco-responsable, le côté naturel, même si je mélange le high-tech et le naturel, la sensorialité, qui est un des piliers très importants en termes de galénique pour la marque. Et mon obsession hein, perpétuelle qui est l'efficacité. Et c'est vrai que d'avoir ces cinq piliers, je pense que ça sera le challenge de toutes les grandes marques à l'avenir. Parce que faire des produits clean, si je mets que de l'eau dans un produit, il sera clean, mais il ne sera pas super efficace. Et c'est ça qui est l'important, c'est d'être à la fois, d'avoir ces cinq piliers sur lesquels il faut cocher. Alors,
Quand j'ai dit clean, c'est clean sur les différentes applications de scan. Si vous regardez 100% de nos soins cosmétiques qui sont verts sur Yuka, je crois qu'il y en a 98% qui sont excellents. Tous les ingrédients que je choisis, en fait, c'est moi qui suis à l'origine de mes formules, hein. Je ne fais pas juste un brief, donc je choisis chacun des ingrédients. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas en fonction du stock d'un sous-traitant, ou c'est vraiment le choix de chaque ingrédient est contrôlé. Et je me repose en perpétuel la question, est-ce qu'il y a un ingrédient qui serait meilleur? Et s'il est meilleur, je peux essayer de reformuler mes formules pour vous apporter vraiment de la sécurité et excite tout ce qui est ingrédients douteux. Éco-responsable, eh bien oui, c'est vrai que on est un des premiers laboratoires, je crois que c'était en 2009, donc ça fait plus de 11 ans, à avoir lancé un démaquillant où l'on offrait une lingette mais qui était réutilisable, que vous mettez à la machine, hein, notre fameux en deux coups de baguette, et en deux coups, parce que le premier coup, ben, on applique avec les doigts cette crème démaquillante, et le deuxième coup de baguette, c'est qu'on rince avec cette lingette, qu'on rince à la japonaise, on met sous l'eau tiède, on les sort et on reste tout le surplus. Et on la met à la machine, et on a été un des premiers laboratoires aussi en pharmacie à apporter les éco-recharges avec nos eaux micellaires. Et j'entends encore le moment du lancement où tous mes vendeurs qui étaient sur le terrain me disaient « Mais non, mais ça verra, les pharmaciens n'en veulent pas, ça ne va pas tenir, ils disent que ça ne fait pas premium, etc. » Je me disais « Mais c'est super important d'apporter 91% de plastique en moins. Vous verrez, peut-être qu'on est un peu en avance, il faut maintenir. » Et chaque année, on me dit « Non, enlève-le, enlève tes recharges. » J'ai tenu bon et je vois que là, et vous avez bien fait. Une raison. Et ensuite, c'est la sensorialité. Hein. Comme je vous disais, c'est très, très important pour moi parce que je pense qu'on travaille tous comme des dingues. Et quand on est devant sa salle de bain, il faut avoir une crème qui parle à sa peau, qui soit évocatrice de rêves, d'émotions, qu'on ait une sensorialité par les odeurs, par la sensation, le toucher. Peut-être par le bruit quand vous avez notre mousse qui crépite. Enfin, tout ça, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un certain bien-être. Vous savez qu'on a des récepteurs olfactifs au niveau de la peau, pas qu'au niveau du nez. Il y a des études qui montrent que justement, certaines odeurs peuvent favoriser la croissance cellulaire. Donc, c'est très, très important et je suis une militante sur la sensorialité de nos soins. Et enfin, tout ce qui est naturalité. Alors, je mélange hein, de l'high-tech et du naturel, mais j'essaie que la majorité de mes formules fassent entre 95 et 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Oui. Et surtout, mon obsession, l'efficacité. On travaille avec des chercheurs dans le monde entier. J'essaie d'apporter les meilleures technologies dans mes différents soins, ce qui donne ce côté magique en termes d'efficacité parce qu'on a un résultat très rapide. Et tu ne peux pas avoir un laboratoire avec des spécialistes des cellules souches végétales, des spécialistes des pigments, les spécialistes des peptides. Ce sont des leaders mondiaux qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. On fait des collaborations, on incorpore des actifs brevetés, on fait des formules qui sont brevetées pour vous apporter ce côté magique et efficace qui est très important parce qu'on est, nous, les femmes, on est impatientes et on veut avoir des résultats rapides. Voilà. Complètement. Et je pense que finalement, c'est tous ces piliers qui font qu'aujourd'hui, vous avez une clientèle très fidèle et une clientèle qui, une fois qu'elle a testé les produits, généralement va venir les racheter parce qu'on voit justement qu'ils sont efficaces, on voit un résultat et on voit qu'ils sont sensoriels. Donc, c'est vraiment un plaisir de les utiliser. En même temps, j'en profite aussi pour regarder un petit peu les commentaires des personnes qui nous regardent en live et pour rebondir voilà, sur certaines choses. Il y a une personne justement qui nous disait d'où vient l'univers magique et ensorcelé, parce que c'est vrai que voilà, Garantia, c'est tout un univers, notamment par le nom des produits. Voilà, c'est des noms de produits atypiques, entre guillemets, c'est pas des noms de produits qu'on trouve dans la cosmétique en général. Et donc, voilà, finalement, c'est tout l'univers s'avérait que vous avez créé ouais. Sur le côté magique et ensorcelant. Tout à fait.
C'est pour tous mes apprentis sorciers là, qui me regardent. Effectivement, ça doit être un peu un côté mon âme d'enfant hein, que j'ai toujours eu. Peut-être aussi mes origines. Vous savez, j'ai des origines corses. Et en Corse, on est très superstitieux. On a beaucoup d'histoires, des traditions. On a les matières. Et c'est surtout, en fait, c'était au départ, après, c'était mon côté scientifique avec tous ces médecins, pharmaciens qui sont dans ma famille. Où je voulais je me suis dit, si je veux émerger sur ce marché qui est extrêmement compétitif, il faut que les femmes voient un résultat d'efficacité sur la peau et qui est en bouche à oreille. Et pour ça, il fallait un produit qui soit efficace, ce que je disais là, ultra rapidement. Et donc, il y a tellement efficace, moi, je disais, qui devient magique. Mais je rajoute toujours, Marie-Lou, il n'y a pas de magie sans science. Voilà. Complètement. Complètement. Et c'est bien. Et après, c'est vrai que moi, je suis partie sur un peu un contre-pied où on disait que tout ce qui était efficace, magique, devait être exempté de poésie, devait être tout blanc. Et moi, je me dis, mais non, au contraire, qui a dit que la science devait être dépourvue de cette poésie? Et c'est vrai qu'Einstein disait « L'imagination est peut-être même encore plus importante que la science. » Parce que c'est parce qu'on a des chercheurs qui sont imaginatifs, qui peuvent chercher, trouver différentes voies thérapeutiques. Et c'est comme ça que la science avance. Donc, oui à l'imagination, oui à la poésie et non au diktat de quelque chose complètement uniforme. Et voilà. En tout cas, c'est un univers qui plaît. On le sait, voilà, chez Bissim, les abonnés sont vraiment très très nombreuses à adorer la marque. Et là, je le vois aussi à nouveau dans les commentaires, des personnes qui nous disent qu'elles adorent tout ce champ lexical autour de la magie, elles adorent l'univers et puis surtout, elles adorent les produits. Là, je dis, j'ai acheté la plupart des produits de la marque, ils sont tous géniaux. J'imagine que vous êtes ravis de lire ce genre de commentaires. Nous, on est ravis de pouvoir travailler aussi étroitement avec vous. Je voudrais même rajouter, quand je dis que mes crèmes, elles ont des pouvoirs magiques, en fait, ça va même au-delà, c'est de donner aux femmes ce pouvoir, le pouvoir de s'accepter, le pouvoir de se trouver belle, d'avoir une solution et de pouvoir accomplir elles aussi leurs rêves. Et ça, c'est super important parce que quand je reçois, souvent, je reçois des lettres, des petits mails, des petits mots de femmes qui me disaient, mais moi... Saveria, je vous remercie. Je n'osais pas aller dans mes entretiens d'embauche parce qu'un bouton, on se dit, mon Dieu, mais l'empêcher, la complexer d'aller à un entretien d'embauche. Et quand elle a utilisé les produits que ça lui a enlevé, elle était super ravie. D'autres, c'était des rougeurs. Et ça, c'est important. Il faut s'accepter. Il faut se trouver des solutions. Il faut se donner le pouvoir. Et de pouvoir transmettre ce pouvoir à mes femmes. Ça c'est aussi très important pour qu'elles puissent accomplir leur rêve et être elles-mêmes et ne pas avoir de complexe. Voilà. Ouais. Et donc je pense que voilà, la plupart sont convaincus. Je relis certains commentaires, j'adore. J'ai déjà convaincu plusieurs amies, elles sont toutes converties. Un autre commentaire qui nous dit une marque qui donne de vrais résultats rapidement, je suis bluffée. Une autre qui dit c'est ma marque préférée. Donc voilà, franchement, on n'a que des commentaires très positifs. Je vois un autre commentaire qui nous dit, je l'ai raté, à quand la prochaine édition limitée, garantie à Bissim, parce que voilà, on travaille très très souvent avec vous, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. On verra si on a de nouveau des projets. Dernièrement, on avait aussi fait, donc le mois dernier, au mois d'avril, une super box mensuelle, du coup, avec vous. On pouvait retrouver dans une même box, 5 produits de la marque. Donc là, c'était un super moyen de découvrir beaucoup de produits d'un coup. Et on sait que les abonnés ont été vraiment ravis. On a eu d'excellents retours. Donc, on est trop contentes. Et là, aujourd'hui, on peut peut-être, du coup, rentrer dans le détail de certains produits, notamment, du coup, sur cette thématique préparer sa peau à l'été. Comme ça, ça permettra d'échanger avec les abonnés pour celles éventuellement qui ont des questions sur ces produits ou même si on s'écarte un petit peu sur d'autres produits si jamais on veut y répondre. Est-ce que Saveria, vous voulez un petit peu nous donner la routine parfaite pour préparer sa peau à l'été? Oui, bien sûr. Alors, le premier geste de beauté, c'est le pchit magique.
Et là, je vous fais découvrir du coup notre édition limitée. Chaque année, on lance une édition limitée pour toutes nos collectionneuses. Donc là, le thème, c'était la rivière japonaise. Donc, vous voyez des petits poissons. Il est très coloré, très joyeux. Et c'est un peu un retour aux sources, puisqu'en fait, le pic magique au début, mon inspiration, c'était justement les rituels de purification au Japon, où j'avais vu qu'il y avait une étude dans Le Monde qui montrait que les Japonaises faisaient 8 ans de moins que leur âge et qu'elles avaient une routine de nettoyage de peau, un double nettoyage, c'est-à-dire qu'elles faisaient un peeling et après elles se démaquillaient. C'est vrai que l'exfoliation, ça permet de préparer la peau à ces différents soins. Et non seulement ça va enlever les cellules mortes, mais ça va aider la peau à se régénérer. Parce qu'en fait, la nature a horreur du vide. Et quand vous enlevez une cellule morte, vous avez une nouvelle cellule neuve, plus jeune, qui se forme. Donc, si on veut avoir un joli éclat et préparer sa peau pour avoir un bronzage durable, lumineux, et bien c'est bien de régénérer cette peau, enlever toutes ces cellules mortes et l'utiliser, mais avant d'aller au soleil. Quand vous êtes au soleil, il ne faut pas l'utiliser parce que c'est quand même une enzyme brevetée, donc c'est un peeling très doux avec une action biologique. Et donc, il faut éviter quand même le soleil puisque dès la première utilisation, en 30 secondes chrono, vous avez déjà le processus d'exfoliation qui démarre. C'est un produit 100% sur Yuka, donc clean. C'est du plastique qui est recyclable. Son étui, vous allez voir, il contient 100% de plastique recyclé. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est une mousse, mais ça, je pense que toutes vos clientes, je pense, le connaissent bien, parce que c'est une mousse, mais sans particules abrasives, sans acide glycolique, très, très doux, avec 6 extraits botaniques, des bases lavande végétales. Donc, il y a de la rose bio, du bleu et bio, de la mamélise bio, du citron bio, du concombre qui n'est pas bio et du thé vert qui est bio. Voilà. Effectivement, il y en a beaucoup qui connaissent déjà le produit. C'est vraiment un best-seller quand même de chez vous. Ouais. Donc, le premier produit en plus, on nous dit le petit magique, la base, depuis que je l'ai découvert, je l'utilise tous les jours. Voilà, on a beaucoup de commentaires comme ça. Et on a quand même des questions justement sur la fréquence d'utilisation, étant donné qu'on dit que c'est un micro-peeling. Il y en a qui se demandent si on peut l'utiliser tous les jours. Alors, tout à fait. Au départ, en fait, vous savez, moi, je suis très complice de mes clientes. Avant de lancer Garancia, je travaillais dans l'officine de ma maman et je conseillais beaucoup tous mes produits. Et je m'étais rendu compte que quand je conseillais un gommage, comme c'était à l'époque, c'était dans les années 80, hein, il y avait soit des particules abrasives, soit des acides de fruits, acides glycoliques, etc. Je disais de l'utiliser une à deux fois par semaine. Et souvent, mes clientes, elles le faisaient la première semaine, la deuxième semaine, allez, la troisième semaine. Et puis, elles l'oubliaient après dans l'armoire de toilette. Donc, l'idée, c'était de faire un produit qui, justement, excite tous ces acides de fruits, toutes ces particules abrasives qu'on puisse utiliser tous les jours. Très, très doux et très efficace. C'est pour ça qu'on a mis en même temps des bases lavande végétales. Comme ça, ça nettoie le visage en même temps. Et du coup, moi, je préconise de le faire le matin et de se démaquiller le soir. Si par contre, vous avez la peau très sensible, vous pouvez l'utiliser que 2 à 3 fois par semaine. Mais après, il faut l'utiliser, voilà. Alors, dedans, il y a les bases lavande végétales pour vous nettoyer la peau, que vous n'ayez pas 36 000 produits à utiliser. Mais pas au soleil, hein, par contre, voilà. Très bien, donc ça c'est la première étape du coup de la routine beauté quand on veut préparer notamment sa peau à l'été. Et donc ce serait quoi la seconde étape? La seconde, c'est l'éclair de lune l'absolu, qui est un produit aussi qui est magnifique, je ne sais pas si vous le voyez bien, rose et jaune. Donc d'un point de vue sensorialité, il est extraordinaire, il est beau, on a envie de se l'appliquer. Donc c'est un biphase, il faut bien le mélanger. Et une fois qu'il est mélangé, on n'applique 5 gouttes dans le creux de la main.
et on applique sur tout le visage. Donc, c'est une huile non grasse, à la fois avec une huile et en même temps une phase essence. Parce qu'en fait, je voulais mettre le concentré énormément en actifs, puisqu'il y a au moins 8 actifs, des hydrosolubles et des liposolubles, pour avoir une action, une double action anti-tache sur les tâches existantes. Et c'est toutes les tâches. Hein. On a testé sur les tâches dues au soleil, de vieillissement, les tâches de grossesse et aussi les tâches de prévention qui ne sont en fait… sont des tâches en devenir en fait et qu'on ne peut voir que si vous mettez de la lumière UV en fait. Et là, ça permet justement de les éliminer. On a fait une étude clinique avec des résultats où 100% de nos tâches avaient été diminuées. Donc, de très, très beaux résultats. Et on a également fait une étude sur des épidermes reconstruits où dès 5 jours, on commençait à voir l'éclaircissement qui commence à opérer et qui va en s'accentuant jusqu'à 56 jours. Si vous avez des tâches existantes, surtout mettez un écran solaire, vous l'appliquez et vous mettez un écran 50 par-dessus. L'étude elle a été faite dans ce sens. Et il faut vraiment, vraiment faire la chasse au soleil si vous avez des tâches, d'accord? Et souvent, moi j'ai dit que si des tâches apparaissent, souvent c'est UV et œstrogène. Donc, quand on est désordre avec des pilules ou bien ménopause, préménopause, grossesse, on a un taux d'œstrogène qui augmente, on va au soleil, hop, on se fait des tâches. Donc, si vous avez ce type de tâches, l'éclair absolu et un écran total 50 au moins tout le long de votre cure pour les diminuer. Et vous aurez un très bon résultat. Il y a quelques questions, donc il y en a qui connaissent déjà le produit, qui redemandaient lequel c'était. Donc c'est bien l'éclair de lune, l'absolu, que vous pouvez trouver directement sur Blissim. Il y a eu quelques questions, notamment par rapport aux tâches dues à l'acné. Oui. Est-ce que c'est un produit qui peut être utilisé dans ce cas? Alors, c'est pas tout à fait. Je ne sais pas, par contre, je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Il faudrait que je vérifie s'il y a eu des volontaires qui avaient ce genre de tâches dues à l'acné. Je ne me souviens pas. Vous me posez une petite colle, mais je pourrais regarder et vous répondre parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais pour moi, oui, parce que vous avez quand même un désordre. Étant donné, en fait, ça va agir sur le fait d'avoir mis tous ces actifs, c'est pour agir sur les différentes stades de la mélanogénèse. Au niveau de la synthèse de la mélanine, mais aussi au niveau de son transfert dans les mélanosomes aux kératinocytes qui va monter. L'exfoliation aussi qui est très importante pour enlever la mélanine superficielle. Et quand on a un problème de marque due à l'acné, on a aussi un désordre au niveau de cette synthèse de mélanine qui fait ces différentes marques. Très clair. Est-ce qu'on passe à la troisième étape du coup? Quel serait le troisième produit dans la routine? Alors, un troisième produit très sympa aussi, c'est notre Aquareftu, qui est en fait une brume qui vient d'une source en fait, vous savez, qui est très profonde au niveau marin et qui va remonter les différentes étapes géologiques pour se charger en oligo-éléments. C'est une des sources, on a comparé avec les différentes sources thermales qui puissent exister, c'est une des sources les plus riches en soufre, qui fait du bien pour la peau, en zinc, en manganèse. Et elle a été enrichie également en niacinamide, en vitamine B3. Et on a fait une étude clinique qui montre qu'à 14 jours, à raison de 2 utilisations par jour, on avait une illumination de la peau, on augmentait l'éclat. Et quand vous faites aussi des tâches au soleil ou que justement vous allez au soleil pour éviter justement d'avoir ces tâches, c'est très très bien de l'utiliser grâce à cette acide niacinamique. On nous demande pour ce produit, quelle est l'utilisation? Il y a une des abonnées qui nous dit « je l'ai mais je ne sais pas comment l'utiliser ». Et après, on a aussi quelques questions par rapport à l'ordre des produits. À quel moment on utilise du coup cette brume? Alors, tu l'utilises selon ton démaquillant que tu utilises. Je ne sais pas si vous… Une fois que vous avez utilisé votre lait, votre tonique, vous faites un spray. Vous essayez… Moi, j'ai dit de ne pas l'essuyer après avec une serviette pour vraiment avoir les bénéfices
de bénéfice de cette source et d'appliquer sa crème. C'est pas grave si votre crème, vous l'appliquez, elle sera mélangée un petit peu, elle sera un petit peu humide votre peau. Vous pouvez l'utiliser à tout moment de la journée pour vous rafraîchir et voilà. Parce que c'est vrai que vous allez avoir l'effet hydratant, apaisant de toutes les eaux thermales que l'on peut avoir, plus cette action illuminatrice. Vous l'utilisez quand vous êtes justement sur la plage pour vous rafraîchir, parce qu'en même temps, ça va agir pour essayer de diminuer l'apparition des taches grâce à cet acide niacinamide que vous retrouvez également dans notre éclair absolu. Voilà, il y a énormément d'études sur le niacinamide hein, aujourd'hui, beaucoup de bibliographies. Donc, c'est un ingrédient qui est très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu le rajouter dans ma brume. Voilà. Toujours chez Garantia, j'essaye de faire des mélanges, des petites formules magiques qui sont toujours un peu plus. Voilà. En tout cas, il y en a beaucoup de nos abonnés là, qui connaissent ce produit en nous disant « je suis accro depuis bientôt un an ». Les fumeuses, quand vous fumez… je voudrais vous dire d'essayer d'arrêter de fumer, de profiter de l'été, de la chaleur pour vous, pour espacer, pour arrêter, parce que la fumée, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça peut ternir l'éclat de la peau, la rider plus vite. Vous apportez toujours des substances polluantes. Aujourd'hui, le vieillissement de la peau à 80%, c'est dû à l'exposome, c'est-à-dire à votre environnement et pas que à, il y a seulement 20% de la génétique. Donc, si vous avez justement, vous fumez, utilisez cette brume le plus souvent possible parce que ça va vous redonner de l'éclat de la peau. D'ailleurs, l'étude, je demandais à ce que les sujets fument. Pour justement montrer avant, après l'utilisation. Et vous allez voir, ça va vous redonner cette lumière, en fait, la lumière que vous avez perdue à cause de, justement, de la fumée. Est-ce qu'on terminerait par un dernier produit, du coup, dans cette... Alors, un dernier produit, je vais, du coup, vous parler en exclusivité notre nouveau produit qui va sortir, Diabolique Glaçon, c'est la nouvelle texture, c'est la crème soie, et qui sera en exclusivité dans la prochaine box, la Green Box de chez vous. Donc, c'est un produit avec une texture incroyable qui se métamorphose, qui passe d'un état cristallin à une crème laiteuse, mais avec un toucher extrêmement soyeux, très très doux. Et c'est un produit, en fait, c'est un soin qui fait multifonction puisqu'il va être hydratant et anti-fatigue. Là aussi, je voulais un produit qui soit hydratant, mais souvent, je me disais, après une journée de travail, on a les traits qui sont fatigués, on a les traits tirés. Et donc, on a travaillé avec, j'aurais pas trop le temps de vous parler de tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Mais l'idée, c'était d'avoir un soin qui vous redonne de l'énergie. Et 100% des sujets qui l'ont testé après seulement 24 heures d'utilisation, donc il y a eu deux applications le matin et le soir, ont montré que leur trait de fatigue, ils gagnaient jusqu'à 1 heure à 4 heures de sommeil sur leur peau. Donc ça, c'est super important. Et en même temps, c'est aussi anti-pollution. Et ça a un effet aussi prébiotique. On parle beaucoup du microbiote cutané. Donc là, ça permet de nourrir ce microbiote pour le protéger et renforcer l'effet barrière de votre peau et donc l'hydratation. On a une hydratation qui est ultra importante puisqu'elle peut être flash et jusqu'à 72 heures. Je crois qu'on est une des rares marques à avoir pu tester une cornéométrie jusqu'à 72 heures et avoir encore une efficacité très intéressante. Donc, ça montre son côté de gorger les cellules en eau pour que votre peau soit rebondie et resplendissante. Voilà. On nous demande le nom exact du produit. Alors, c'est Diabolique Glaçon. Alors, moi, j'arrive pas trop à lire, mais c'est la crème soie cristalline. Et on nous a
On nous a posé la question du coup sur quand est-ce qu'on allait la retrouver. Donc ce n'est pas dans une box mensuelle, mais c'est dans une future édition limitée, effectivement, qu'on va pouvoir retrouver ce produit. Je crois que c'est celle de juin, me semble. Hein. Alors, vous voyez, c'est une texture qui est un peu cristalline. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que c'est la clème glaçon, hein, comme les cristaux glaçons. Mais on tapote, vous voyez, et on applique et ça se transforme en une petite crème laitière. Je ne sais pas si vous voyez le blanc qui apparaît sur la peau. Et c'est très, très doux. Et c'est sans silicone. Voilà. Et c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Et est-ce que vous conseillez de la mettre au frigo? Ah oui, c'est une très bonne astuce. Et c'est même mes clientes qui m'ont donné cette astuce. Vous savez, moi, je suis très complice avec mes clientes. Hein. J'adore quand elles m'écrivent. J'ai même des clientes qui me disaient, il faudrait que souvent, il y a des produits qui ont été fabriqués parce que c'est mes clientes qui m'ont dit, ça serait bien que tu me fasses ce produit. Hein. Et effectivement, c'est elles qui m'ont donné l'astuce, tu le mets au frigidaire pour potentialiser l'effet frais, surtout en été et parmi les grosses chaleurs. Il y en a qui nous disent, ah, merci pour le frigo. C'est le petit conseil, la petite astuce en effet. Ouais. Et le tube, bien évidemment, 100% de nos, dans nos engagements, on veut que 100% de nos tubes d'ici la fin de l'année contiennent du plastique recyclé. Et bien évidemment, avec le lancement de ce produit, on a un tube avec du plastique recyclé. Voilà. Super. Les étuis aussi sont 100% faits avec du carton qui viennent de forêts gérées durablement. Ça c'est tous nos engagements dont je vous ai parlé au début de notre live. Super. Est-ce que ça va bien 100% je crois sur Yuka aussi hein, comme d'habitude. Oui, tous les produits ont des notes excellentes sur l'application, oui. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit? Là, j'ai essayé de prendre au hasard les questions qu'on avait de nos abonnés. On a de très bons retours, de très bons commentaires. Je pense que les filles étaient ravies d'avoir vos explications et qu'on puisse présenter en détail les produits. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez aborder? Je pense qu'on on a fait vraiment le tour de la question. Maintenant, si vous avez d'autres questions, c'est volontiers. J'ai vu deux dernières questions, si vous voulez, pour terminer. On nous a demandé à un moment donné, à quand le make-up Garantia? Alors, le make-up Garantia. On a quand même, je ne sais pas si vous le connaissez, un produit qui s'appelle Hallucinogène, qui est une poudre liquide. Voilà, vous savez que la poudre libre, souvent, ça se met dans les petits trips, les ridules. Ce n'est pas très pratique. Et donc, j'avais envie de faire une poudre liquide. Vous allez me dire, ça a l'air là, c'est quoi cette histoire de poudre liquide? Mais en fait, c'est un soin qui est très, très chargé en poudre. Donc, on l'applique. Et en fait, il a un hallucinogène parce qu'il a, ça c'est une petite complicité, il a un extrait de shiitake, vous savez, c'est ce champignon d'immortalité avec plein d'effets bénéfiques. Mais c'est surtout que quand on l'applique, il lisse la peau un peu comme un blur très important, il matifie, il est anti-pollution et en fait, il va remplacer votre poudre liquide ou alors il va, pour septième, le no make-up, il va vous l'appliquer sur votre crème. Et en fait, ça fait comme si vous aviez un fond de teint et nude, complètement nude, mais vraiment invisible du coup. Voilà. Et ça cache des petites aspérités, etc. Quand on a des petits boutons aussi, c'est notre fond de teint transparent en poudre liquide. Et on a deux autres produits, mais c'est plus des astuces beauté. On a notre Mavap bien-aimé, qui est une brume, mais végétale, qui fixe le maquillage à 99%, je crois, ou 98% d'ingrédients d'origine naturelle, alors que toutes les brumes fixatrices, mais qui fixent vraiment, elles sont bourrées de silicone, d'ingrédients chimiques. Là, je voulais faire quelque chose de très naturel et qui
très très bien le maquillage. Et comme c'est la dernière, le dernier geste de beauté, c'est anti-lumière bleue et anti-pollution. Voilà. D'ailleurs, on a été les premiers, vous savez, en termes d'innovation, à travailler sur tout ce qui est filtre de la lumière bleue. Et c'était avec ce produit. Il y a maintenant 4 ans, 3 ans, je ne sais plus. Voilà. Et on a notre Abracadabob. Ça, c'est un produit historique de la marque, qui est le deuxième produit de la marque, qui est une sorte de, qui était un blur, mais que tu appliques vraiment très localement sur les rides du front, sur le nez, quand on a le nez qui brille énormément. Voilà. Et puis après, on a nos BB cream. Oui, complètement. Plutôt la dorée, si on veut quelque chose de plus doré. Voilà. Mais on a tellement encore de choses à faire sur le soin que ça viendra sûrement. Mais c'est vrai que quand je lance un produit, je veux qu'il apporte une vraie valeur ajoutée au marché. Donc, on fait les choses à notre rythme, petit à petit. On a aussi notre larme de phénix qui fait pousser les cils. Vous voyez, c'est plus des soins, oui. Des soins make-up, entre guillemets, mais plus soins que make-up. Make-up, oui. Voilà. C'est d'ailleurs un produit que les abonnés avaient pu découvrir dans leur box il y a quelques mois maintenant et qui avait beaucoup plu aussi. Ouais. En tout cas, vous avez une très, très belle marque et je pense que vous en avez conquise vraiment plus d'une et on voit toute la communauté derrière, votre communauté à vous et la communauté Blissime. J'étais ravie de pouvoir échanger de nouveau avec vous, s'avérer pouvoir répondre aux questions des abonnés en direct. Il y aura certainement d'autres questions qui vont peut-être venir après. Ce live, dans tous les cas, il va être posté pour pouvoir être regardé en replay. Donc, n'hésitez pas, une fois que le live est posté, à mettre vos commentaires directement et on pourra y répondre ainsi que Garancia, du coup, directement à vos questions. Merci Marie-Lou. Merci encore et à très vite, je l'espère. Et au revoir à tout le monde. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.